L'opposant russe Alexei Navalny a été arrêté dimanche lors d'un rassemblement à Moscou, place Pouchkine. Rassemblement dont le credo était la lutte contre la corruption, ce qu'il a rappelé dans un tweet à ses partisans à la suite de son interpellation en les appelant à poursuivre la manifestation. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans différentes villes de Russie pour dénoncer la corruption et réclamer la démission du Premier ministre Medvedev, accusé par Navalny d'être à la tête d'un empire immobilier par le biais d'ONG. Des manifestations étaient prévues dans 99 villes, elles ont été interdites dans la plupart d'entre elles et le service d'ordre a strictement encadré les autres, procédant parfois à des interpellations. Navalny a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle l'an prochain, mais le pouvoir de Poutine entend le lui interdire en raison de sa condamnation en février, condamnation opportune, à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds.